Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Salam alaykum wa sa'ada la masakum. Bon après-midi à tous et à toutes. J'avais préparé un exposé, je ne savais pas très bien combien de temps j'aurais, donc on va faire bref. Tout d'abord, je pensais un peu étrange qu'on demande à quelqu'un qui a atteint la soixantaine, qui est presque retraité, de parler des priorités des jeunes. Donc de ce point de vue-là, Myriam sera beaucoup plus habilitée que moi à parler de ce sujet. Ceci étant, je crois que jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous concernés aujourd'hui par plusieurs malentendus concernant la religion, et notamment concernant le chemin de la religion, la charia, que trop souvent nous considérons comme étant une loi au sens strict, comme étant quelque chose de très bien défini, alors que, et c'est le premier point des trois points que je voudrais, sur lesquels je voudrais insister cet après-midi, tout le vocabulaire de base de notre religion est un vocabulaire de conducteur de chameau. Donc tout le vocabulaire de base de notre religion est un vocabulaire de conducteur de chameau. Sharia ne signifie pas loi. Sharia signifie chemin. Et si vous commencez à réexplorer tout ce vocabulaire de base, sunna ne signifie pas tradition. Sunna signifie chemin, route. Sanna al-ibil en arabe signifie « il a conduit les chameaux vers l'endroit où ils pourraient boire ». Imam signifie au départ le chameau qui est le premier en tête de la caravane ou celui qui conduit les chameaux. Mazhab ne signifie pas école de droit, mais signifie aussi un chemin, une route. Même plus peut-être encore étrange, millah, étymologiquement, ne signifie pas communauté, mais signifie aussi chemin. Et du chemin que l'on poursuit ensemble, on passe à l'idée d'une communauté de destin, parce qu'il vaut mieux être ensemble sur le chemin que de s'égarer dans le paysage en oubliant la route et en voulant aller seul. Donc tout ce vocabulaire de base de l'islam est un vocabulaire qui se réfère à un chemin sur lequel nous sommes invités à aller derrière le prophète en suivant son exemple, paix sur lui, pour aller de l'obscurité vers la lumière. C'est-à-dire que c'est une approche beaucoup plus soft, beaucoup plus souple que celle qui consiste à voir en la religion une charia, une loi qui serait en contradiction avec les lois des pays dans lesquels nous vivons ici en Europe ou sur le continent américain. Non, c'est un chemin qui est suffisamment large pour permettre plusieurs façons d'avancer derrière le guide à différentes vitesses. Le chemin ne couvre pas l'entièreté du paysage, mais il n'est pas étroit au point de constituer une loi. Certains d'entre vous sont sans doute malikites, connaissent el-muwatta de l'imam Malik. Que signifie le mot muwatta, qui est le titre de cette collection de hadiths de l'imam Malik? El-muwatta, c'est le chemin planifié, c'est le chemin rendu aisé pour ceux qui vont le suivre. Et donc nous sommes obligés de nous remettre dans l'idée que nous sommes invités à poursuivre vers la lumière un chemin avec d'autres derrière un guide. Et quand nous nous interrogeons sur ce qui est l'essence de ce chemin, nous réalisons que « char wal-adl wal-adl wa-char » ainsi qu'Ibn Taymiyyah l'écrit. Le chemin, c'est la justice. Et la justice, c'est le chemin. Et là, si on se fie à un des grands disciples
d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, qui meurt en 750 de l'Hégire, 1350 de l'ère courante, on voit que Ibn Qayyim al-Jawziyyah dit dans son Kitab al-Firasa, là où il y a de la justice, là se trouve la religion de Dieu. C'est-à-dire que dès que vous avez de la justice quelque part, là se trouve la religion. Il ne faut pas obligatoirement identifier la religion et la charia à ce pourquoi vous avez des textes canoniques, Coran, Sunna. S'il y a dans la constitution du Canada de la justice, il y a déjà de l'islam dans la constitution du Canada. Parce que partout où il y a de la justice, là se trouve la religion. C'est le premier point qui pourra alimenter notre discussion. Un deuxième point a trait à la beauté. Vous connaissez le hadith, « Inna Allah jamilun yuhibbu jamal ». Dieu est beau et il aime la beauté. C'est un hadith tout à fait authentique, mais que nous oublions très souvent. Parce que, traditionnellement, en islam, on parle d'habitude de « jalalullah », de majesté de Dieu, en oubliant qu'on a aussi « jamalullah », la beauté de Dieu. Et nous vivons un islam, le plus souvent aujourd'hui, qui est un islam sans beauté. Quel genre de culture musulmane donnons-nous à nos enfants? Nous disons non, tu ne regarderas pas la TV. Mais quelle alternative leur proposons-nous? L'islam, les musulmans, pendant des siècles, ont construit certaines des plus belles réalisations architecturales de l'humanité, que ce soit le Taj Mahal en Inde ou l'Alhambra en Andalousie. Que reste-t-il de cet attrait pour la beauté que Dieu aime dans la vie que nous vivons en tant que musulmans? Et j'aimerais soumettre à vos réflexions, et on peut en discuter, comme une des priorités à avoir dans notre vécu, ce souci de la beauté, non pas seulement de la beauté artistique, de la beauté sous tous ses aspects, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai l'impression, qu'il est aussi important d'instaurer un univers de beauté dans lequel nous vivons pour pouvoir faire notre ibada convenablement, qu'il est important d'instaurer de la justice dans la société dans laquelle nous vivons. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Il n'y a pas d'islam sans beauté dans le vécu des gens, tout comme il n'y a pas d'islam sans justice. L'un et l'autre doivent aller ensemble. Et quand on voit aujourd'hui les destructions que commettent certains qui se prétendent musulmans ou constituent un État islamique, ces destructions n'ont jamais eu lieu dans 14 siècles d'histoire musulmane. Il n'y a pas de couche de cendres qui correspondent à l'expansion des musulmans pendant le premier siècle de l'Égypte. Cette expansion s'est faite sans destruction. Aujourd'hui, nous avons un islam très souvent de la destruction ou de l'ignorance de la beauté. Il faut reconstruire un islam qui célèbre non seulement la majesté, mais aussi la beauté de Dieu. El Jalal ou El Jamal, les deux vont ensemble. Et dernier point, la miséricorde me semble aussi être une des très grandes priorités. Nous sommes très, très fréquemment prêts à condamner, à voir les défauts des autres, à souligner leurs déficiences, leurs manquements, et à les appeler parfois kafirs. De nouveau, ce que j'entends, ce que j'apprends dans les textes d'Ibn Taymiyyah, qui malheureusement est considéré trop souvent comme un extrémiste, ce que je lis chez lui, ce que je trouve aussi chez Ibn Qayyim al-Jawziyyah, c'est que, avant d'appeler quelqu'un kafir, il faut non seulement avoir toutes les raisons de le faire, mais en plus, il faut avoir été capable de répondre à toutes les objections qu'il y aurait à le faire. Donc, il n'est pas suffisant d'avoir des raisons de traiter quelqu'un de mécréant.
il faut aussi avoir été capable de répondre à toutes les objections qu'il y aurait à l'appeler mécréant. C'est peut-être un nouveau musulman, un converti de date récente, c'est peut-être quelqu'un qui est né dans des milieux très éloignés des centres de tradition musulmane, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, c'est peut-être quelqu'un qui a mille et une autres raisons de ne pas être aussi musulman qu'on le voudrait, qu'on le souhaiterait pour lui. Nous n'avons pas le droit de l'exclure de l'islam. Avant d'avoir toutes les raisons de le faire, non seulement cela, mais aussi avant d'avoir tenu compte de toute cette liste de paramètres, de circonstances atténuantes qui permettraient de comprendre sa situation plutôt que de le condamner. Ceci est extrêmement important parce qu'il y a des circonstances aujourd'hui qui sont telles pour beaucoup de sociétés musulmanes qu'on ne peut exiger d'elles d'être des piliers de mosquées dès le premier jour. Et je terminerai par là et je laisserai de nouveau la question à vos réflexions et on pourra en reparler ce soir quand j'aurai... Un autre atelier, j'animerai un autre atelier ce soir. Vous vous souvenez de ce hadith transmis par Abu Huraira? Un temps viendra où les musulmans ne sauront plus ni prier, ni faire le jeûne, ni aller en pèlerinage. Ils n'auront plus rien retenu de la religion, sinon que ils se souviendront que leurs grands-parents, leurs ancêtres disaient « Il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. » Même pas « Et que Mohammed est le messager de Dieu. » Non. Ils ne se souviendront de plus rien d'autre que du fait qu'ils avaient des parents qui étaient musulmans, des grands-parents, des aïeux qui étaient musulmans monothéistes. Et un des compagnons dit au prophète, celui de la paix, ça ne les aidera pas beaucoup. Et le prophète, celui de la paix a dit trois fois, simplement se souvenir qu'ils avaient des ancêtres musulmans, cela les sauvera du feu, cela les sauvera du feu, cela les sauvera du feu. Alors, qui sommes-nous pour aller condamner certains d'entre nous plutôt que de leur témoigner la miséricorde que nous espérons tous que Dieu nous témoignera à nous? Donc, trois priorités. Je conclus, une compréhension de la voie de l'islam qui ne soit pas trop étroite, qui ne la réduise pas à une loi. Parce que sur la voie, on peut être à plusieurs, à différentes vitesses, et aller dans la même direction ensemble sans être formellement coincé par un système législatif. Deux, l'importance de la beauté, réintroduire la beauté dans notre vécu, c'est aussi important que la justice. Et trois, la miséricorde. Wassalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شخص شخ فخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les organisateurs d'avoir rendu cette rencontre possible. Je vous remercie vous d'être là aussi. Donc, le rôle des jeunes, quelles sont les priorités? Je pense qu'avant de parler des priorités, il faut qu'on fasse un état des lieux. Donc je me suis dit, moi, en tant que jeune, ayant vécu en Occident, où est-ce que j'ai senti des manques? Où est-ce que j'ai senti qu'il y avait des problèmes? Où est-ce que je n'ai pas trouvé les réponses que j'avais besoin? Et j'en ai énuméré quelques-uns et je voudrais qu'on puisse ensuite en discuter, si vous en avez des autres que vous me dites aussi. Donc le premier sujet, je voudrais parler de l'éducation. Donc ici, je parlerai de l'éducation générale et l'éducation religieuse.
Il y a par exemple une déperdition de la lecture. On n'a plus vraiment cette éducation de lire. On oublie souvent que nous sommes une communauté de la lecture. Et on oublie que le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra. Donc il faut cette importance de la lecture. On voit souvent les jeunes maintenant qui regardent des vidéos YouTube de 2, 3, 4 minutes et qui pensent savoir tout sur une personne, sur une pensée, etc. Et les livres ne sont plus trop là. Donc je pense que ça, c'est un point sur lequel il faudrait parler. Le deuxième point, je pense que ce qui manque dans notre société, au Canada et en Occident en général, c'est le concept de l'engagement social. Tout l'engagement est souvent au nom de nos droits, mais il faut se pencher sur le sens de la responsabilité sociale et solidaire. Et il faut ici que les jeunes soient plus dans l'engagement social. Le troisième point, je voudrais ici parler de l'attirance par la culture de masse et qui n'est plus du tout morale. Si je prends mon exemple, par exemple, où j'aime la musique, j'ai beaucoup aimé le rap, etc., je me suis rendu compte qu'à un certain moment, je ne pouvais plus écouter et plus regarder ce genre de musique parce que les vidéos sont vraiment, il n'y a pas de morale, les paroles, etc. n'ont plus de message, n'ont plus vraiment une substance. Donc au final, qu'avons-nous comme alternative en tant que jeunes? Ensuite, un quatrième point, et là aussi je parle d'expérience ou je parle aussi en tant que jeune vivant en Occident, il y a tout ce concept des questions taboues. Il y a une zone de non-dit finalement. On sait à peu près ce qui est halal, ce qui est haram, mais on n'ose pas vraiment poser les questions, on ne trouve pas d'espace où on peut poser ces questions-là, on ne sait pas vraiment à qui les poser. Et donc par exemple, quand tout ce qui est relation homme-femme, ce qui est question de l'affectif, la question du mariage, la question de la sexualité, tous ces sujets-là finalement deviennent des sujets tabous et il ne faudrait pas qu'il y ait ces sujets tabous auxquels on ne peut pas trouver de réponse. Donc, en ayant énuméré ces points-là, quelles sont nos priorités en tant que jeunes? Donc, pour parler de l'éducation, il faudrait qu'on arrive à trouver une éducation adaptée. Il faut qu'on puisse promouvoir la lecture, les cours de religion qui sont adaptés à notre réalité. Il faut finalement qu'on ait une éducation active, pratique et qui dirige notre énergie. On ne trouve pas souvent en tant que jeunes des gens qui arrivent à diriger cette énergie, qui arrivent à nous dire « mais toi, tu as tous ces talents-là, fais ci et fais ça ». Et on se retrouve finalement seul, on ne sait pas trop comment les diriger. Donc je pense que là, c'est nous, en tant que jeunes, nous devons essayer d'être... ceux qui sont un peu plus âgés doivent trouver ce rôle pour diriger les jeunes. Ensuite, dans tout ce qui est organisation d'activités sociales, de solidarité, il faut que nous soyons pratiques, il faut même commencer petit. Dans notre quartier, on aide les jeunes qui ont des difficultés à l'école, on commence petit et on agrandit ensuite nos activités. Je me rappelle une fois, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais vers les 13-14 ans, je pense, je me rappelle une fois, mon père, il m'a dit, mais à part tes études, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises comment ton temps? Qu'est-ce que tu fais comme activité autre que tes études? Parce que finalement, les études, c'est important, il faut que tu aies des bonnes notes, mais il n'y a pas que les études. Où tu donnes ton énergie? Qui es-tu? Et je me rappelle que ça avait été pour moi un tilt total, et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, quand j'ai fait le bilan de moi-même, je me suis dit, mais... Où va mon énergie? Et très tôt, donc, j'ai commencé avec des amis, on s'est mis ensemble, on a commencé très petit avec une petite organisation, on est parti ensuite au Niger, donc on a commencé très jeune à se dire qu'il n'y avait pas forcément que notre petit confort personnel, nos bonnes notes à l'école, mais qu'il fallait pouvoir utiliser tous ces avantages qu'on avait ici pour les autres aussi. Donc je pense que c'est très important d'avoir aussi cet engagement social. Ensuite, par rapport à tout ce qui est la culture de masse, on est une communauté, alhamdoulilah, qui est remplie de qualités, remplie de gens qui ont des talents, qui sont bons dans tout ce qui est écriture de texte, dans tout ce qui est chant, dans ce qui est cinématographie, photographie, etc. Donc il faut pouvoir laisser cet espace à tous ces talents de s'épanouir et de pouvoir être un plus pour cette communauté. Finalement, On a des gens qui ont ces talents-là, mais qui n'osent pas s'exposer devant la communauté musulmane parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ne trouvent pas leur place. Et c'est vrai qu'à un certain âge, quand on atteint les 16, 17, 18, 19 ans, les anachites, ça ne nous parle plus vraiment. Des chansons avec des « La ilaha illallah » et des « Le nom de Dieu », c'est vrai que c'est beau, mais à un certain âge, on n'a plus forcément envie d'écouter ce genre de musique-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on arrive à trouver une alternative pour ces jeunes. Donc même penser à de la musique avec une éthique, un message éthique, qu'on puisse écouter avec d'autres, et qui ne soit pas forcément seulement pour les musulmans. Mais je pense qu'un message éthique parlera à beaucoup, et ce sera en accord avec nos,
avec nos règles, avec ce que nous cherchons en tant que musulmans et musulmanes. Ensuite, pour les questions taboues, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un espace de confiance où de vrais dialogues peuvent être instaurés. On peut sentir qu'en tant que jeune, on n'est pas jugé par rapport aux questions qu'on pose et qu'on puisse être ouvert à poser ces questions. La semaine passée, j'ai entendu un cheikh qui disait « On a le droit de questionner et le devoir de respecter. » Et je pense que c'est une attitude mentale, religieuse et intellectuelle très importante. Et en tant que jeune, il ne faut pas qu'on oublie ça. On a le droit de questionner, on a le droit de questionner quoi que ce soit, tout ce qui nous passe à l'esprit, il faut qu'on puisse trouver un espace où on peut tout questionner. Mais on attend aussi des plus âgés ou du reste, ou des gens qui nous écoutent, le respect. Il faut que ça puisse être un échange où on ne se sent pas mal à l'aise à poser toutes ces questions. Donc voilà quelques points sur lesquels je voulais parler. J'espère qu'on pourra ensuite échanger par rapport à ces points-là. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, parce qu'on vous a approché du micro, s'il vous plaît. Oui, on n'a pas l'habitude, c'est la première fois, excusez-moi. Ouais. Donc, je disais qu'il y a un cours qui est proposé par les conseils scolaires de l'Ontario à Ottawa, et puis qui va porter sur la sexualité, sur l'homosexualité, en général, et puis ça va commencer en troisième année. Après sixième année, tout ça. Donc, nous, musulmans, bon, ce sujet-là heurte notre sensibilité, notre éthique. Donc, on est en train de se poser la question, comme à défaut de pouvoir l'interdire dans les écoles pour nos enfants, parce qu'on ne sait pas quel jour ce cours-là va être proposé, ou s'il faut manquer cette journée-là. Donc, comme on ne sait pas quel jour ça va être ce cours-là, on voudrait savoir votre avis. Comment se comporter vis-à-vis de l'instauration de ces cours-là? Merci. C'est bon? Oui, merci. Je pense. Il faut répondre. Je ne répondrai pas en relation à une situation scolaire particulière dans une province particulière du Canada, non. De manière générale, concernant la sexualité, l'éducation doit se faire au départ à la maison. Et si l'éducation donnée par les parents est convenable, ce qui pourra être raconté aux enfants dans d'autres milieux ne sera pas un problème. L'information doit venir d'abord de la maison, de la communauté, et à ce moment-là, les enfants seront armés pour faire face à ce qui pourra leur être raconté dans d'autres milieux. Et ce n'est pas uniquement cette approche que je proposerai pour la sexualité seulement, mais pour toute une autre série de sujets aussi. Il ne sert à rien, je crois, voilà, mais je crois qu'il ne sert à rien maintenir les enfants musulmans dans une espèce de cocon qui les séparera du reste de la société et qui, au niveau scolaire en particulier, pourra conduire à les discriminer ou à les mettre en exergue par rapport aux autres élèves, ce dont ils souffriront aussi. Donc, plutôt que de s'opposer à ce qui leur est proposé par la société, il faut avoir, au niveau de la famille, au niveau de la communauté, une alternative et des valeurs qui soient telles que la société ne représente plus un danger. Mais cela signifie, et je rejoins ce que Myriam disait à ce sujet, cela signifie qu'au niveau de la famille même, il faut qu'il y ait un effort. Au niveau de la communauté, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait pour que cette éducation à donner aux enfants, l'information à leur fournir, soit de valeur, ne soit pas uniquement nourrie d'interdits, hein, obéis et tais-toi. Ça ne marche pas. Pour Monsieur Michaud, j'ai adoré vos définitions de sharia, sunna, madhab, toutes les choses
on n'entend pas, même de nos enseignants, des chouyours, on n'entend pas ces définitions. Maintenant, ma question est pour Madame Ramadan. Vous parlez des alternatives pour les jeunes. Ce n'est pas toujours possible. Et je trouve que alternative pour n'importe quoi dans la société, c'est fatigant des fois pour les jeunes. Comme je travaille avec beaucoup de jeunes et j'enseigne aussi les jeunes, des fois, leur donner l'idée qu'il y a une alternative pour n'importe quoi dans notre religion, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher ces jeunes sans nécessairement dire « oui, il y a une alternative ». Comme vous avez dit, l'inachide, à certains moments, non, ça fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes qui sont vraiment attachés à certaines choses qu'on n'a pas d'alternative pour dans notre religion ou dans notre société? Parce que, comme vous avez dit, même si on a des talents dans la communauté musulmane, ce ne sont pas toujours les bienvenus. OK. Alors, OK, il n'y a peut-être pas forcément d'alternative dans la communauté, mais ça, je n'y crois pas trop, parce que je pense qu'il faut rechercher. Dans tout ce qui est musique, il y a de l'alternative. Dans tout ce qui est habillement, il y a des alternatives. On peut prendre plein de sujets comme ça et trouver des alternatives. Et même, finalement, on n'a pas forcément besoin de trouver une alternative islamique. Une alternative où il y a une éthique, c'est tout aussi islamique. Quand le message final est en accord avec nos principes, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on soit sélectif. « Oh, il est musulman, il n'est pas musulman, je ne prends pas. » Je pense que ça, c'est très important aussi. On peut trouver des alternatives qui ne sont pas forcément faites par des musulmans, mais qui ont les mêmes principes et les mêmes éthiques que nous. J'ajouterai un truc qui fonctionne pour toute question et dans la ligne de ce que Myriam disait. Vous avez un problème. Vous ne savez pas où l'islam se situe. Vous prenez un extrême, vous prenez l'extrême opposé et vous verrez que l'islam, la solution la plus islamique, se trouve au milieu entre les deux extrêmes. Ça marche pour tous les trucs. Prenons un exemple. La nourriture. Et de nouveau, ce sont des choses que je ne tire pas de mon chapeau, mais que je lis dans des textes que j'ai publiés d'Ibn Taymiyyah, que j'ai traduits, etc. Ibn Taymiyyah dit « Pour les juifs, on peut à peu près rien manger. Tout est à peu près interdit. La cacheroute, les règles de la cacheroute sont telles qu'il ne reste pas grand-chose à manger. Chez les chrétiens, dit-il, on peut tout manger, de la fourmi à l'éléphant. Amin el-naml, il el-fil. On peut tout manger. Entre ces deux extrêmes opposés, il y a de la place pour une compréhension normale, honnête, des règles de la diététique halal. Et ça vaut pour toutes les questions. Prenez un extrême, prenez l'extrême opposé, vous trouverez l'islam au milieu. Et cela ne signifie pas que la solution vous sera fournie par un texte canonique, coranique, hadith ou autre, non. S'il y a de la justice, s'il y a de l'équilibre, s'il y a de la beauté, dans cette solution, elle est par nature musulmane. Prochaine question, s'il vous plaît, chez les hommes. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous présenter. S'il vous plaît. Salam alaikum, je m'appelle Abdel Rani, ingénieur de métier. J'ai une question toute simple en fait, donc en reprenant ce qu'a dit M. Michaud, qu'il ne faut pas rester dans son cocon et se mélanger. Est-ce qu'il faut privilégier l'école publique standard par rapport à l'école privée dite musulmane ? Bon, moi l'école publique d'un côté, l'école privée musulmane de l'autre. De nouveau, je ne peux pas parler de situation particulière puisque je n'y connais rien. Je suis obligé de parler en général. Si dans une école publique, l'enfant peut vivre en tant que musulman, je ne vois pas quel problème il y aurait à
ce que l'enfant suit son éducation dans cette école publique. Dans l'école musulmane, il sera peut-être maintenu d'une manière artificielle dans un cocon qui le séparera de la société. Et bon, je n'ai pas envie de dire tout ce dont je vais parler ce soir. Mais il faut quand même que nous souvenions que être musulman, c'est croire en tous les prophètes, tous, du premier jusqu'au dernier. Et que donc, alors même que nous maintenons le caractère idéal, parfait, de l'expérience du dernier des prophètes, il se peut que nous nous trouvions dans des environnements pour lesquels l'expérience d'un autre prophète, antérieur au dernier, soit plus utile. Pour cette raison que, lorsque nous nous comparons aujourd'hui, en tant que musulmans vivant dans la société canadienne ou américaine ou autre, sommes-nous plus proches de l'islam de l'âge d'or de Médine des premiers temps, ou sommes-nous plus proches de l'islam de la fin des temps, où les musulmans ne connaîtront à peu près plus rien de leur religion? Ayons l'honnêteté de savoir dans quel genre d'environnement nous sommes, l'âge d'or ou la fin des temps, ou de quel âge sommes-nous le plus proches? Et en fonction de cela, sans remettre aucunement en question le caractère idéal et parfait du dernier des prophètes, il se peut, et de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter ce que j'ai lu et traduit chez Ibn Taymiyyah. L'exemple de Joseph, Sayyidina Yusuf, il est chez qui? Il est chez Pharaon. Pharaon est un musulman? Non. Pharaon, kafir, bima'an al-kalima. C'est un kafir, mécréant. Que fait Joseph? Si vous me dites « Joseph accepte des responsabilités dans l'administration de l'État non musulman de Pharaon », je vous dirai « Non, c'est faux ». Il n'accepte pas ses responsabilités, il les demande. Parce que le Coran dit « J'alni ala khazain al-ard ». Joseph va trouver Pharaon et lui demande d'être nommé à la tête de la trésorerie de l'Égypte pharaonique non musulmane. C'est-à-dire qu'il ne va pas pour des responsabilités de deuxième ordre, il va pour le contrôle du flous, de l'économie, les responsabilités les plus importantes, dans un environnement totalement non musulman. Et donc, je crois que les distinctions islam, école islamique, école publique, il faut voir les choses au cas par cas, il n'y a pas de règle générale, mais il n'est pas obligatoire, il ne va pas de soi qu'une école musulmane sera l'endroit le plus adéquat pour une éducation musulmane de l'enfant. Et chaque cas doit être jugé en particulier. Et le bien et le mal, l'aspect positif, l'aspect négatif, de chaque situation doit être pesée. Et en fin de compte, il n'y a pas de solution générale. El a'mal bin niyat. Les actions sont fonction des intentions. Mais tout doit être fait sur la base de ce qui est appelé dans le Coran le tadabbur. Le tadabbur, c'est-à-dire peser le pour et le contre. Voilà, voilà. Ben, de mon point de vue, je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, j'étais à l'école publique et je pense que j'en suis bien sortie. Je pense que toute l'importance, c'est par rapport à la famille. Donc, je me suis retrouvée avec plein d'amis. La plupart de mes amis ont toujours été non-musulmans. Mais je pense que le fait de rentrer à la maison, de vivre dans une ambiance religieuse, dans une ambiance islamique, c'était pour moi comme si je rechargeais mes batteries chaque fois que je rentrais à la maison. Je pense que c'est très important le rôle que la famille joue dans tout ce qui est l'autre partie de l'éducation, donc l'éducation religieuse. Et pour moi, l'école, ce n'était pas seulement partir à l'école, c'était aussi une école de vie parce que finalement, je me retrouvais avec des amis qui n'étaient pas musulmans et je devais avoir une réponse à chaque acte que je faisais. Je devais partir faire ma prière, il fallait que j'explique pourquoi je devais faire ma prière. Je jeûnais, je devais expliquer pourquoi je jeûnais. Je faisais pas certaines activités, j'allais pas. Alors,
dans mon école, on avait quelque chose qui s'appelait les booms. Donc, c'était les anniversaires avec de la musique, de la danse, etc. Donc, il fallait que j'explique pourquoi je ne faisais pas ce genre d'activité. Donc, j'étais finalement tout le temps obligée de bien connaître ma religion pour pouvoir répondre. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Si on met tous nos enfants dans des écoles islamiques, qui va pouvoir jouer ce rôle-là d'expliquer finalement qu'est-ce que c'est l'islam ? Merci. N'oublie pas de te présenter. Bon après-midi, moi c'est Ithar et je suis étudiante en service social et études de femmes. Ma question serait, Madame Maramadan, vous avez mentionné beaucoup de problématiques qu'on fait face. Je me demande des pistes d'intervention. Une chose que je remarque beaucoup chez les filles, les jeunes filles, fin secondaire, début université, on a un manque d'individualité chez les filles. On a un manque de passion de qu'est-ce qu'ils font. On dirait qu'on manque, on est en manque dramatique d'estime de soi. Notre plus grand rêve, on dirait, les filles, c'est rentrer à l'université et peut-être par la fin se marier, avoir des enfants, puis on est fini. On dirait que quand on demande est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais en termes d'études, de lecture, de. Ça fait du sens. Un deuxième aspect que je me demande, c'est. Les barrières culturelles qui viennent avec les questions taboues. On comprend, oui, ce sont tabous, mais ça vient simplement aussi, pas seulement des questions que vous avez relevées, mais aussi les questions qui ont un rapport avec la santé mentale, qui ont un rapport avec le féminisme. Est-ce qu'une musulmane ou un musulman peuvent être féministes? Est-ce que... pas seulement le féminisme, l'environnementalisme, ces mouvements qui se sont basés par la justice sociale et la défense des droits. Est-ce que je me demande beaucoup pendant mes années d'études, est-ce que l'islam c'est un système exclusif fermé de c'est islamique ou non islamique, ou est-ce que n'importe quelle idéologie that can go hand in hand with the values of Islam. Désolé pour mon anglais. Ma langue première, c'est le français. Merci pour ta question. Je pense que je vais répondre comme le professeur Yahya a dit, il a bien dit, la solution la plus islamique, c'est celle qui est le plus dans le juste milieu, c'est pas dans les extrêmes. Donc quand tu parles par exemple du féministe ou de l'environnementaliste, etc., j'ai étudié tout ce qui était études du genre, donc on a beaucoup parlé du féminisme, et il y a eu plein de débats sur est-ce qu'on peut être musulmane et féministe, etc. Donc tous ces termes-là, elles ont tellement de définitions différentes qu'il faut déjà commencer par définir chaque mot. Donc que veut dire le féminisme, par exemple? Donc je pense que c'est là qu'on commence à savoir est-ce que c'est islamique ou est-ce que ce ne l'est pas. Le prochain séminaire sera sur le rôle des femmes, donc je pense que là, on pourra plus discuter de tout ça. Par tout ce qui est aussi, tu disais, les femmes, elles n'ont pas vraiment de but dans leur vie, pas vraiment une envie de carrière, etc. Mais je pense que c'est vrai qu'en tant que femme musulmane, active, je vois que tu es voilée aussi, tout ça, c'est très difficile de trouver des role models, en fait. On n'arrive pas vraiment à trouver quelqu'un qui répond à tout ça et qui est en même temps pratiquante et qui cherche. Et c'est vrai que pour moi aussi, pendant ma jeunesse et même encore maintenant, je cherche. Des fois, je me dis, mais qui est-ce qui me ressemble? Qui est-ce qui pourra m'aider? Qui est-ce qui pourra m'aider à avoir des buts beaucoup plus hauts? Donc, je pense que c'est ça. Je pense que ça commence par nous, en tant que jeunes. Par exemple, il ne faut pas penser que je suis ici et que c'est simple, mais à un certain moment, je me suis dit, avec la connaissance que j'ai, avec mes études, c'est un devoir de venir ici et de partager mes connaissances. Et ça commence par nous, en fait. Vu qu'on n'a pas forcément ces role models, c'est à nous de devenir pour les prochaines générations, pour ne pas qu'elles se plaignent comme nous, on se plaint maintenant de cela.
Assalamu alaikum. Mohamed Allal. Je voudrais parler, vous esquissez comme ça un peu le portrait d'un jeune homme canadien dans la mi-vingtaine, grand, beau, barbu, mais vêtu de manière qui fait sa zone de confort. C'est un reverti, il a connu l'islam dans un pays musulman et il a été aussi fasciné par leur manière de se vêtir, leur style vestimentaire. Revenu au Canada, là il est toujours dans sa zone de confort, mais ça dérange certains musulmans dans la communauté musulmane, étant une minorité visible. Et lui encore, il est plus visible dans cette minorité invisible. Donc, ma question, c'est autour du savoir-être. C'est vrai que le débat pour les minorités visibles en Occident, c'est le hijab ou le niqab, mais il y a aussi cette tendance de s'habiller de manière qui interpelle les gens. Pourquoi ils sont vêtus comme ça? Je me souviens de Youssef Islam à qui on a conseillé de changer son code vestimentaire parce que lui, il s'habillait toujours style afghan. Et il y avait beaucoup, même parmi les musulmans, qui ne se connectaient pas à lui. Mais là, il a dû changer et il a pu avoir beaucoup plus de connexions et d'aller chercher tout un chacun, musulman ou pas musulman. Donc moi, ma question, c'est autour du savoir-être. Si cette personne-là est dans sa zone de confort, habillée comme elle est, est-ce qu'elle n'est pas en plein droit de le faire? Pour ce qui est de l'individu, mais quel serait l'impact pour toute la communauté, sachant ce qui se passe maintenant dans l'actualité, etc. Merci beaucoup. Ok, je vais répondre avec cette image. On la voit plus ou moins, ou peut-être en plus petit. Donc, ça c'est l'islam au XIXe siècle en Égypte, peint par un des grands peintres orientalistes. Vous voyez une série de bourgeois bien habillés qui sont au premier rang, et derrière eux vous avez un qalandar. Un qalandar, c'est l'équivalent d'un hippie musulman, mendiant, qui a sa besace, son kashkoul, pour faire l'aumône. Et l'islam des siècles précédents était un islam de la tolérance. Alors même que, du point de vue de l'habillement, il était pour le moins différent des autres, il avait sa place totalement acceptée dans la société, même dans la mosquée. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a transformé très souvent les communautés musulmanes en une sorte d'hôpital suisse, où il fait trop propre pour que ce soit honnête. Et donc, il faut réintroduire dans notre compréhension de l'islam cette acceptation de la diversité des créatures de Dieu. Il y a, de ce point de vue-là, énormément à apprendre de la manière dont les sociétés musulmanes vivaient jusqu'à l'époque de la colonisation et de la modernité. Il y a, par exemple, un faux hadith, un merveilleux que vous trouvez parfois en Turquie, qui dit « Laoula al-hamaqa la kharibat al-dunya ». Si ce n'était pour les idiots, le monde s'écroulerait, qui est une variation sur ce hadith inauthentique, mais très souvent en circulation, Laula kama khalaqtul aflak. If it was not, si ce n'était pour toi, Mohamed, je n'aurais pas créé le monde. C'est devenu ce hadith, si ce n'était pour les idiots, le monde s'écroulerait. C'est-à-dire que, dans une compréhension traditionnelle de l'islam, il y a de la place pour tout le monde, quel que soit leur habillement.
quelle que soit leur façon de vivre. Parce que notre but, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas d'exclure, ce n'est pas d'anathémiser, ce n'est pas d'excommunier. Tout au plus pouvons-nous communiquer, espérer être entendus et peut-être alors éduqués. Mais ça signifie très souvent développer une politique, une approche extrêmement miséricordieuse, extrêmement ouverte, comme nous le faisons dans le cas de traumatisme. Traumatisme non seulement physique, mais mentaux. Très souvent, nous nous trouverons avec des êtres souffrants. Si nous ne prenons pas en compte cette souffrance, nous n'avons pas la miséricorde que Dieu nous demande d'avoir vis-à-vis de tout le monde. Pas uniquement des musulmans, mais même des autres. Et vous pouvez trouver toute une série de traditions du prophète, la paix soit sur lui, qui vont dans ce sens. Il y en a une qui parle, par exemple, d'une espèce de mendiant dans les rues qui a les cheveux tout à fait en désordre. Et le prophète dit que sa prière à lui, ses invocations sont acceptées de Dieu. Et donc, plutôt que de juger sur la base des apparences extérieures, tâchons d'avoir vis-à-vis de tous cette ouverture que vous aviez dans l'islam pré-colonial, dans l'islam pré-moderne. Il n'est pas impossible de retrouver cette plasticité, cette approche, cette souplesse. Ça ne veut pas dire que tout soit permis, non. Mais ça signifie qu'il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas à nous de mettre en question la foi de qui que ce soit. Parce que la foi, l'iman, est un hukm qu'il ne nous appartient pas à nous, en tant qu'humains, de décider à propos des autres. C'est Dieu qui décide de la foi, qui dit qui est croyant et qui dit et qui est kafir. Ce n'est pas nous. Après, s'il y a d'autres places, vous pouvez répliquer après. Donc, s'il vous plaît, excuse-moi ma sœur, deux secondes. J'aimerais bien vous rappeler que le sujet de la conférence, de l'atelier, c'est vraiment les jeunes. Donc, je vous prie de bien cibler vos questions sur ça. Vous allez avoir deux autres ateliers francophones. Donc, le deuxième, c'est à 5 heures. Le rôle des femmes pour une communauté juste et modérée. Donc, il va être animé avec notre sœur Maryam Ramadan et Imam Mohamed Lahlo. Et le troisième, c'est le phénomène de la radicalisation. Ça, c'est à 7h30. Il va être animé par professeur Yahya Michaud. Donc, vraiment, on veut concentrer cet atelier sur les jeunes. Puis je vois, masha'Allah, beaucoup de jeunes ici. Puis ils sont là, puis c'est comme si la vie est tranquille. Je vous encourage fortement à poser vos questions, à participer. On n'a pas toujours ce privilège d'avoir des conférenciers qui ont vécu ça, puis vous allez avoir la théorie, puis vous allez avoir même la pratique. Les deux. Donc, s'il vous plaît, profitez, puis ciblez très bien vos questions. Jazakumullah khair. Je vous en prie, merci. Assalamu alaikum. Hanan Elaiti, professionnelle en éducation continue des adultes avec le gouvernement du Canada. J'ai 13 ans. Non, j'ai pas 13 ans. Alors, je vous entends, Monsieur Michaud, vous parler d'un islam balancé, équilibré, et j'aime beaucoup votre présentation, et je pars d'aujourd'hui avec beaucoup de conclusions qui vont m'être très utiles. Et aussi, Madame Ramadan, avec un islam ouvert, un islam avec beaucoup de couleurs et mosaïques, est ouvert sur d'autres cultures et c'est d'autres choses autres que l'islam. Puis, tant et si longtemps qu'on est dans l'éthique, alors j'aime ça aussi. Moi, qu'est-ce que je veux vous ramener aujourd'hui, c'est la psychologie et le développement personnel chez les jeunes. J'entends beaucoup des leçons sur l'islam qui portent beaucoup sur le fiqh, sur c'est quoi halal, c'est quoi haram.
Puis c'est clair, et on a des bons scholars qui nous expliquent bien les choses. Mais moi, ce que je trouve qui manque, et peut-être parce que je ne sais pas, c'est que comment instaurer le développement personnel chez nos jeunes? Comment leur montrer que le bon Dieu nous a envoyé des enfants, un bon matériel déjà avec quoi on peut travailler avec? Ils viennent déjà avec des dons, ils viennent déjà avec leurs intuitions. Et nous, comme parents, nous sommes comme un atelier pour nos enfants qui pratiquent toutes sortes d'affaires avec nous et qu'on est là pour eux, pour les guider, pour qu'ensuite partent en société en pleine de confiance, puis qu'ils appliquent les choses en toute confiance, en étant musulmans, mais en étant ouverts à d'autres cultures et à d'autres façons de voir les choses. Alors moi, ce que je trouve comme maman, j'ai un enfant de 13 ans, un autre de 9 ans, et je suis très passionnée par la psychologie, mais je trouve que dans l'éducation, dans l'école, les activités sociales, on ne trouve pas le développement personnel, parce que peut-être on a peur qu'on instaure l'individualisme chez nos enfants, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Merci. De nouveau, merci pour la question. Il y a un hadith qui est très intéressant, qu'on n'entend pas souvent, mais qui dit, c'est le sens, je ne connais pas exactement l'énoncé, comprenez bien que vos enfants ont été créés pour une autre époque que la vôtre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer d'en faire des copies conformes de vous-même. Ça ne marchera pas. De ce point de vue-là, ce n'est pas un hadith. Vous connaissez Freud, le père de la psychanalyse, qui disait « Quoi que vous fassiez pour vos enfants, de toute façon, c'est toujours raté. » Donc, ce sera toujours de travers. Bon, on n'ira pas jusque-là. Mais nous devons comprendre que ces enfants sont créés par le bon Dieu pour un autre temps que celui dans lequel nous vivons, nous. Et de ce point de vue-là, il y a pas mal de choses que nous pouvons apprendre de nos enfants même. Il suffit de voir l'état dans lequel nous leur laissons la planète, à savoir une poubelle sans beaucoup d'avenir. Il suffit de réaliser l'état dans lequel nous leur laissons la planète pour comprendre que certains d'entre eux puissent de fait se poser des questions sur la manière dont nous vivons, dont nous voyons le monde. Parce que aujourd'hui, en fait, c'est la question la plus importante de toutes celles que l'on puisse trouver, c'est le changement climatique, l'écologie, etc. Bon, si on réalise déjà cela, dans quel état on va leur laisser le monde, je crois qu'il y a intérêt, non pas uniquement à leur imposer des choses, mais peut-être aussi à entendre leur avis. Bon, quand ce sont des bambins ou des fillettes, il faut les éduquer, mais par la suite, je crois qu'il y a de fait beaucoup à entendre de nos enfants. Parce que nous vivons d'une certaine façon dans le Moyen-Âge par rapport à eux. Et donc, j'irai pour un dialogue beaucoup plus grand, beaucoup plus profond avec les jeunes générations. Parce que c'est eux qui seront les responsables demain. Nous pouvons les guider, nous pouvons leur montrer le chemin, mais ce sera à eux de le parcourir. Et comme nous leur laissons un environnement beaucoup plus difficile, nous devons aussi comprendre qu'ils n'auront pas du tout de facilité à approcher leur avenir. Et ça, nous prenons trop souvent pour automatique le fait qu'ils devraient être comme nous et qu'ils auront aussi facile que nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci. Donc les frères, oui, Mashallah, tu peux te présenter s'il te plaît. Moi je suis Mohamed Sbar
Et Mariam, vos parents, ils vous disaient de sortir de la maison et pas rester concentré sur les études. Mais moi, j'ai un problème. C'est parce que mes amis, eux, ils ne sortent pas dehors. Ils restent chez eux, concentrés sur l'Internet et tout. Quand j'étais petit, il n'y avait pas ce problème. Je sortais tous les jours pour aller jouer avec eux. Et maintenant, c'est mon petit frère qui a ce droit au coaching. Mais non, maintenant, je ne peux pas sortir avec des amis. Ils sont pas là, ils sont plus là. Ils sont juste chez eux. Donc, j'aimerais des exemples d'autres choses pour quoi faire à part les études. Quelque chose pour aider la société, quelque chose. Ok, c'est une très bonne question. Alors moi, je peux te donner un exemple. Alors, ce qui s'est passé avec moi, c'est que je me suis retrouvée dans la même situation que toi, où je n'avais pas forcément des amis qui faisaient des activités avec lesquelles je pouvais participer avec elles. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Je me suis dit, je suis beaucoup intéressée par l'Afrique. Je suis beaucoup intéressée pour aider les plus démunis dans une société ou dans une communauté. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches. À ce moment-là, j'habitais à Genève. Donc, j'ai regardé toutes les organisations qui étaient basées à Genève et qui avaient des projets. Donc, j'en ai trouvé plusieurs. J'en ai trouvé une qui s'occupait de créer des écoles dans des villages au Niger. Je les ai contactés, je leur ai dit, voilà, j'avais 15 ans à cette époque, je leur ai dit, voilà, je suis super motivée pour vous aider, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, ils m'ont dit, vous pouvez faire des choses très simples. Vous pouvez faire, par exemple, vous demandez à tous vos amis de faire des pâtisseries, vous les vendez dans la rue, par exemple. Vous vous mettez avec un groupe de gens et vous diffusez des informations sur le projet qu'on est en train de faire. Et après, comme ça, vous pouvez nous aider à récolter des fonds. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai parlé à trois très bonnes amies à moi, je leur ai expliqué le projet, je leur ai dit voilà, il faut qu'on essaie de récolter le plus de fonds. Donc on a commencé à regarder dans la ville de Genève où j'habitais comment on pouvait récolter tous ces fonds. Donc on a vu qu'on pouvait faire des choses très simples comme nettoyer les bords de l'Arve, donc c'est une rivière qui est à Genève, et la mairie de Genève nous donnerait de l'argent. Donc on s'est dit bon, ben on va faire ça, donc on s'est mis à récolter les poubelles tous les week-ends au bord de la rivière pour récolter des fonds. On a vu qu'il y avait des fêtes dans des parcs et ils cherchaient des gens pour nettoyer les parcs après. Donc, on a commencé à faire plein de recherches. Et c'est vrai que si toi, tu commences à faire ça même tout seul, tu commences à faire des recherches, à te dire, voilà, qu'est-ce que dans ma communauté ou qu'est-ce que dans mon environnement, dans mon quartier, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus utile? Et tu viens avec quelque chose de concret et tu en parles à tes amis. C'est vrai que certains, ça va réveiller quelque chose. Ils vont se dire, oui, pourquoi pas? J'ai des facilités en maths. Pourquoi ne pas aider, par exemple, des réfugiés ou des immigrés ici qui ont besoin d'aide à faire leurs devoirs ou qui ne parlent pas forcément la langue. Donc, il faut commencer très petit. Tu regardes toi autour de toi comment est-ce que tu peux aider. Même tu fais ça bénévolement parce que c'est des choses qu'il faudra faire bénévolement. Et ensuite, tu inclus les gens avec toi. Je suis sûre que dans tes amis, tu auras peut-être une, deux ou trois personnes qui va se dire pourquoi pas dédier une heure, deux heures de mon temps par semaine à faire autre chose que d'être sur Internet ou sur l'ordinateur. Voilà, commence petit et après, tu verras que l'énergie va venir et après, tu vas commencer à rencontrer des gens qui vont te faire voir plus grand. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Bon courage. Salam alaikum, Samia Bouzourane de Montréal. Je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, d'intégration, d'insertion et tout. Donc, bon... Je travaille surtout avec les jeunes enfants, pas les ados, mais j'ai des jeunes ados. J'ai un garçon de 17 et une jeune fille de 15. Frère Michou me rejoint beaucoup dans son discours. Ça fait des années qu'on l'avait déjà invité à Montréal, puis je sais qu'il s'intéresse beaucoup à Ibn Taymiyyah et tout. Moi, les questions qui me viennent, c'est par rapport au discours que nos leaders musulmans, parenthèse, véhicule, la façon dont il véhicule. Pourquoi ça me touche, la façon dont Frère Michou aujourd'hui en parle, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus, qui vient plus du cœur. Et j'ai l'impression que dans les discours en général, il y a ce côté-là qui manque énormément. C'est-à-dire que on a l'impression que l'islam aujourd'hui est beaucoup plus formel que humain. C'est un petit reproche que je fais à nos leaders. Par le fait qu'ils sont impliqués et tout, j'ai l'impression qu'ils font plus attention à cette dimension-là qui pourrait finalement toucher la fibre sensible des jeunes. Je m'inquiète beaucoup de ce que je vois, par exemple, dans les associations étudiantes au niveau des universités et tout, jusqu'à très récemment, la grande majorité...
des leaders qui sont à la tête des associations vont beaucoup plus être proches des discours littéralistes que des discours beaucoup plus humanistes et autres. Donc je me dis, quelque part, il y a quelque chose qui cloche dans la façon de parler, pas de l'islam en tant que religion, mais de parler du rapport à Dieu, du rapport au prophète, du rapport à la vie, du rapport entre les gens. Il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Et cette réforme-là, elle ne pourrait venir que du discours qui est porté par nos leaders en général, même les petits leaders, même nos petits jeunes, si on arrive à vraiment changer quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, c'est des questionnements. Et par le discours de Frère Michaud aujourd'hui, c'est comme j'ai retrouvé un peu ça. Je me suis dit, OK, c'est ça, c'est ce câble-là que je ne retrouve pas souvent dans les discours et que j'espère, Inch'Allah, qu'on arrive à se rebrancher à cette fibre-là, Inch'Allah. Voilà, c'était un commentaire, je pense, c'est même pas une question. Je vous remercie. Et si je peux ajouter, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Donc, je crois que une des choses que j'ai apprises en lisant et traduisant Ibn Taymiyyah, que vous pouvez trouver sur Internet les traductions que j'ai faites en français, c'est que nous sommes toujours obligés de fonctionner à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la réaffirmation de la norme, c'est-à-dire la réaffirmation de l'idéal. Il ne nous appartient pas de reformuler, de réinventer la religion. Elle est là, elle a été transmise par le Coran, elle a été vécue par le prophète, sur lui la paix, par les premières générations. Nous, notre religion n'est pas une religion d'innovation continue, de bid'a, mustamirra, hein, comme c'est le cas dans d'autres religions, où concile après concile, ce qui était interdit hier devient autorisé aujourd'hui. Non, ça, ce n'est pas l'islam. La norme est la norme. Le chemin est défini, il est là. Mais ce premier niveau doit toujours s'accompagner d'un deuxième niveau, qui est le niveau de la miséricorde. Parce que le bon Dieu sait très bien que nous sommes désobéissants tout le temps. Hein, je dis d'habitude, quand j'ai des amis qui vont au pèlerinage et qui ont complètement rasé les cheveux, je leur dis: je suppose que tu as remarqué que les péchés reviennent même plus vite que les cheveux. Hein, donc nous sommes désobéissants. Ceci étant, le bon Dieu est miséricordieux. Et cette miséricorde, cette rahma, nous devons l'avoir. Et lui-même, pensez-y, c'est inimaginable d'une certaine façon. Dieu qui dit à son prophète, le prophète qu'il a élu, qu'il aime, dont il a fait le sceau de la prophétie, il lui dit: si tu étais toi, Mohammed, ralise el qalb, si tu avais le cœur dur, l'anfado min hawlek, il s'éloignerait de toi. Donc il le remet même à l'ordre. Il lui dit: tu dois être doux, tu ne peux pas avoir le cœur dur vis-à-vis des croyants. Par contre, nous permettons cette dureté de cœur. Et là, il y a un problème. Réaffirmer la norme ne peut se faire qu'en étant accompagné d'une plus grande miséricorde vis-à-vis des désobéissants que nous sommes. Sinon, pourquoi si on veut être un peu paradoxal, hein, le bon Dieu crée Adam. Et il est tellement déçu par sa création que d'une certaine façon, avec le déluge, il veut se débarrasser d'à peu près de la totalité de la création. Et après, il décide qu'il ne le fera plus. Et il n'y a plus de châtiment universel après le déluge. Il peut encore y avoir des châtiments de communautés particulières, mais même cela, après Moïse, vous ne l'avez plus. C'est-à-dire que Dieu, c'est prophète après prophète, a bien vu quelle était la désobéissance, quelle était la faiblesse
de ses créatures et il a préféré chaque fois envoyer des prophètes pour toujours répéter le même message. Et ce dernier message dans le Coran, c'est notamment que 113 des 114 sourates du Coran commencent par la misère, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la miséricorde. Mais la miséricorde ne signifie pas oublier l'idéal. L'idéal est ce vers quoi nous allons. Ceci étant, nous sommes ce que nous sommes. Wallahu a'lam. Donc, avant, excuse-moi, donc une seconde. Il me reste 6 minutes. Puis on a commencé. Donc, ces dernières questions. Ok. Avant dernière question. Donc, ça va être docteur, puis après notre sœur, puis ça va être la dernière question. Je vais essayer d'être très rapide. Je n'allais pas intervenir en fait, mais bon, j'ai été interpellé un peu par pas mal d'interventions, surtout des sœurs. Je me présente, je m'appelle Oussama Sidran, je suis membre du comité d'organisation de ILAID, puis du comité de programmation. Je me permets de me féliciter, de féliciter tout le comité pour vous avoir choisi tous les deux pour assister à cet atelier-là. Quelqu'un de l'expérience du commun, d'expérience du professeur Michel, puis quelqu'un de pratico-pratique, et puis vraiment qui vient de vivre l'expérience comme la sœur Mariam. Mon intervention, c'est dans le sens que j'entends très souvent, je suis médecin psychiatre par l'occasion, hein, je dois le dire, j'entends pas mal de sœurs surtout, et puis des frères intervenir et dire qu'ils ne voient pas beaucoup, ils aimeraient avoir peut-être un discours un peu différent, un discours différent du discours littéraire classique de nos... Est-ce que c'est bon comme ça? Donc, on aimerait avoir un autre discours, on aimerait avoir plus d'alternatives, on aimerait parler de choses taboues, quelque part. Et j'ai entendu parler de l'image de soi, toutes ces problématiques-là. Et j'aimerais rappeler ici que, entre autres, ici, du moins, dans la région de Gatineau, il y a un club pour les jeunes musulmans, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, je me permets de rappeler ça. Donc c'est le CGMO, c'est le centre, ou plutôt club des jeunes musulmans de l'Outaouais. Et puis on a des rencontres hebdomadaires, une fois par semaine. Et puis on traite du sujet. Moi j'anime un des ateliers de ces ateliers-là, puis qu'on appelle les hot topics. Puis on parle en réalité de tout ce que vous venez de dire. Puis il y a plein de jeunes, d'adolescents qui viennent. Puis on parle un peu de tout, de ces sujets tabous, de la consommation, de l'alcool, de l'intimité, de tout ce que probablement les jeunes n'ont pas l'occasion d'entendre ou de parler ou d'aborder dans une mosquée habituellement. Puis on le fait à la mosquée parce que je crois que c'est là où on doit aborder ces sujets-là. Et puis, à date, on essaie de l'aborder, on le fait d'ailleurs, de manière sérieuse, mais en même temps que ce soit cool, pour que ce soit agréable pour nos jeunes. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais c'est quelque chose qui existe déjà, puis on aimerait avoir plus de nos jeunes participer à ce genre d'ateliers de communication. Maintenant, je vais profiter de mon intervention pour demander une question d'ordre pratico-pratique, pour la sœur Mariam surtout. Qu'est-ce que vous, comme quelqu'un de votre génération, qu'est-ce que vous imaginez comme possibilité, comme chose que les gens qui sont probablement un peu moins jeunes que vous pourraient aider ou pourraient faire pour aider les jeunes à accomplir leurs priorités ou à avancer plus? Parce que c'est sûr qu'il faut se mettre dans la position de ces gens-là qui vont recevoir ces services-là. Donc, puis voilà, je vous donne la parole, je vous remercie. Alors, je pense que, comme je l'ai dit un peu quand je présentais, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens qui nous aident à diriger cette énergie. Donc, en tant que personne plus âgée, quand on travaille avec les jeunes, c'est de diriger toute cette énergie-là dans des activités qui pourraient être efficaces pour les autres. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est très important. Un autre point, c'est aussi être beaucoup plus ouvert. On a l'impression que dans la communauté musulmane, toutes les activités qui sont pour les jeunes, c'est entre musulmans, pour les musulmans, on n'a pas forcément cette ouverture. Et je pense que ça serait aussi important de créer des genres d'activités qui sont ouvertes à tous, mais avec un message, et comme je le disais avant, quoi, avec une éthique, avec un message qui est universel. Donc d'ouvrir ces champs-là pour que, par exemple, les jeunes puissent amener leurs amis à ces genres d'activités, qu'ils puissent sentir que, oui, la communauté musulmane fait quelque chose, mais qui est ouverte à tous, et vous pouvez tous et on peut faire ça ensemble. Je prends juste un exemple, par exemple, de ma petite sœur qui a 13 ans, et en fait, elle disait que... Donc, elle est dans une école publique,
elle a tous ses amis qui écoutent de la musique. Et en fait, elle disait, je ne sais pas si vous connaissez Outland des Chessy. Donc, c'est un groupe qui a un message, mais qui est en même temps mainstream. Donc, beaucoup de gens les écoutent qui ne sont pas forcément musulmans. Et elle disait toujours, j'aime trop ce groupe-là parce que finalement, c'est un genre de musique que je peux écouter avec mes amis non musulmans. Donc là, elle arrive à rejoindre un genre de musique qui est, entre guillemets, islamique parce qu'il a un message éthique. Et en même temps, elle peut partager ça avec ses amis non musulmans. Donc je pense que c'est aussi ça qu'on devrait faire, ne pas juste faire que pour les musulmans et puis et les mettre dans un coin et dans un cocon, comme disait le professeur. Voilà quelques idées, je pense. Donc, dernière question, ma sœur. Salam alaikum. Ousna Ghani, je travaille pour le gouvernement fédéral. Et puis, je suis mère de 3 enfants, 10 ans, 5 ans et 2 ans. J'ai une question, surtout pour les jeunes. Comme j'ai travaillé avec les jeunes avant, j'ai vu qu'il y a une manque d'estime de soi, la confiance. Et puis, il y a l'estime de travailler dur. Comment est-ce qu'on pourra aider les enfants, comme les jeunes Canadiens, Canadiennes ici, à avoir comme si l'estime de soi, que d'avoir une identité canadienne et musulmane, d'être fière, d'être musulmane, musulman canadien, et puis de leur montrer qu'elles sont capables de faire des choses. Bon. Il est très dommage que, de fait, beaucoup de jeunes musulmans dans les pays occidentaux aujourd'hui, parfois hésitent même à se présenter comme musulmans du fait que l'image de l'islam, du fait de ce qui se passe au Moyen-Orient et dans d'autres pays, est une image tout à fait négative. Ceci étant, ils doivent se rendre compte que le but de l'islam n'est pas de fournir une identité. L'identité proviendra naturellement du fait d'être pratiquant. Le but de l'islam est de servir Dieu, ce n'est pas de servir l'individu. Donc la priorité doit être le service de Dieu, ibadatillah. Et l'identité suivra, et pas l'inverse. Il est vrai que dans ce cadre assez négatif, ce n'est pas facile. Ceci étant, je crois qu'on doit se souvenir que, d'une certaine façon, avoir le privilège d'être musulman est quelque chose pour lequel, à un certain moment, on doit être capable de souffrir. Ce n'est pas un cadeau qui nous est fait par Dieu, c'est quelque chose, c'est une mission, c'est être témoin vis-à-vis des hommes, shuhada ala nas, et cela implique de fait certaines difficultés. Mais en comparaison des difficultés que cela peut impliquer, cette sensation que le musulman peut avoir naturellement de croire en quelque chose qui fait sens, qui n'est pas fondé sur du mensonge comme certaines autres religions, qui n'est pas d'ordre tribal comme certaines autres religions, qui n'est pas farfelu comme certaines autres religions, qui n'est pas insensé. Donc cette rationalité, cette vérité qu'il y a dans l'islam, bon, c'est évidemment aux éducateurs qu'incombe la responsabilité de le transmettre aux jeunes. Mais par rapport aux difficultés que ça peut impliquer, c'est quand même un privilège énorme d'avoir une religion qui n'est pas fondée sur le mensonge, sur le tribalisme, nous sommes un peuple élu ou des choses pareilles, sur des idées insensées ou racistes qui impliquent par exemple la division de la société en castes. Nous n'avons rien de cela. Mais c'est aux éducateurs de le dire aux enfants. Et ça doit suffire à leur fournir non pas la carapace,
mais l'ossature nécessaire pour vivre pleinement en tant que musulman dans une société où on raconte n'importe quoi et les pires mensonges sur notre religion. Nous avons le privilège d'avoir une religion fondée sur la vérité, sur l'humanisme, sur la rationalité, sur le combat du racisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ça se paye dans un monde d'ignorance, dans un monde de racisme, dans un monde d'injustice. Ça ne peut pas être simplement bienvenu partout. Non, ça impose parfois de fait d'être prêt à souffrir pour ce privilège qui nous est fait d'avoir la possibilité d'être appelé à suivre une voie de rationalité, de piété, d'humanisme, d'absence de racisme. Il faut s'en souvenir. Wallah wa'alam.